Alors, l'efficacité des programmes psychoéducatifs en général, on montre que, en gros, je montre surtout la fin. Il y a plein d'études qui ont été faites depuis plus de 30 ans, des études très rigoureuses scientifiquement, où on a fait des groupes contrôles, on a tiré au sort, comme quand on veut prouver l'effet d'un médicament. La même rigueur que les études scientifiques, ils ont prouvé l'efficacité d'un médicament. Et il y a eu plein d'études, et quand il y a plein d'études, elles ne donnent pas toutes les mêmes résultats, ça dépend des conditions, mais on fait ce qu'on appelle une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est une statistique sur l'ensemble des études, c'est-à-dire c'est la moyenne de ce que donne l'ensemble des études. Parce que des fois, il y en a qui montrent des très bons résultats, d'autres des moins bons. Et quand on fait une méta-analyse sur l'ensemble de ces études, on montre qu'en gros, quand les familles participent à ces types de programmes, le taux de rechute du malade, il est divisé par 2 dans les années qui suivent. Divisé par 2, c'est pas rien. C'est autant que l'effet protecteur du médicament. Quand le malade prend son médicament, il peut rechuter, mais son taux de rechute est divisé par 2 par rapport au malade qu'il ne prend pas. Donc le fait d'intervenir auprès des familles, ce n'est pas à la place du traitement. Et qu'en combinaison, on divise par 4. Mais ça veut dire qu'intervenir auprès des familles, ça a autant d'effet. Pour un coup, quand même, quand on regarde, ça coûte moins cher que tous les traitements. Et pourtant, tout le monde est d'accord pour donner le traitement. Il y a des offres, c'est-à-dire qu'on rembourse, c'est considéré comme normal dans l'offre de soins remboursée. Les familles ont encore une offre de soins pour leur proposer ça, qui est encore faible. Hein, il y a 50 groupes en France, il y a plein de familles qui n'en bénéficient pas. Alors qu'on a une efficacité vraiment, et prouvée vraiment par beaucoup d'études. C'est là où il y a le plus haut niveau de preuve qu'on ait dans les actions par rapport aux malades. Pour un malade de schizophrénie, il y a deux trucs, s'il y avait deux choses à faire, si on n'a pas beaucoup de sous, il n'y a que deux choses à faire, les deux choses les plus prouvées, c'est un, le traitement, deux, la psychoéducation des familles. Après, il y a psychoéducation du patient, remédiation cognitive du patient, mais les niveaux de preuve, souvent, sont un peu plus faibles. Et alors, il y a quelque chose qui est fait partout, donc, ou presque partout, en psychiatrie, qui pourtant, il y a une grosse étude qui a montré que le niveau de preuve était très faible. L'art-thérapie pour la schizophrénie. Il y a une grosse étude qui est sortie, il y a un an et demi, plus de 300 patients, avec tiré au sort, pour contrôle, on a montré que l'art-thérapie dans la schizophrénie, ça ne changeait rien sur l'évolution du malade, sur plein de paramètres. Ils ont étudié ça. Très très grosse étude, qui est parue dans une revue très sérieuse, très, très rigoureuse sur le plan scientifique. C'est-à-dire qu'il y a des malades qui sont contents, ça leur fait du bien, mais si on compare un groupe de malades qui a eu ça, un groupe de malades qui n'a pas eu ça, il y en a autant qui ont progressé à la fin, qu'ils n'ont pas eu. Pourtant, c'est une pratique très utilisée partout, mais moi j'ai toujours dire, l'art c'est très important pour l'épanouissement personnel, mais pour moi c'est pas vraiment une thérapie, sinon le ministère de la Culture serait un sous-secrétaire d'État au ministère de la Santé, hein, si on est logique. Non, l'art, c'est important pour l'épanouissement personnel et c'est très important que les malades puissent accéder à l'art et qu'on les aide, parce que certains, pour certains, ça va être très bénéfique. Mais c'est pas tout à fait. Or ça, beaucoup de soignants investissent dans leur thérapie, on dit non, on peut pas offrir pro famille, on peut parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on doit déjà, on a notre atelier à côté. Sauf que pro famille, c'est très prouvé. Ça, c'est quand même, ça peut être utile à certaines personnes, mais comment c'est moins prouvé, mais on fait des choses moins efficaces. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, hein. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire d'art thérapie, hein, surtout pas. Mais c'est bien aussi de penser à faire ce qui marche. Hein, ça, c'est des messages qui sont importants de faire passer. Et on montre, en gros, il y a plein d'études dans le monde, dans les programmes psychoéducatifs, ça a été utilisé, je montre juste la fin. Si les malades ne sont pas pris en charge, c'est une perte de chance pour le malade. On montre que les programmes psychoéducatifs sont rentables économiquement. Il y a des études qui ont été faites dans plein de pays. Ces programmes ont été testés en Chine, au Japon, au Pakistan, en Inde. Ont été testés dans plein de pays européens, ont été testés en Amérique latine, ont été testés en Amérique du Nord. Partout on a le même résultat, c'est pas une question de culture. Il y avait une grosse étude qui avait été faite au Japon, qui était sortie, qui avait montré que ça baissait les coûts directs et les coûts indirects. Les coûts directs, c'est les soins directement, le malade a besoin de moins d'hospitalisation, un coût de soins. Mais aussi les coûts indirects, c'est les aides sociales. C'est-à-dire que les malades, quand la famille a fait ça, il y a plus de malades qui retournent du boulot. Il coûte moins cher. Donc c'est rentable de faire la psychoéducation des familles. Donc quand on dit qu'on n'a pas de moyens, ça c'est de la rigolade. Les moyens, on va les récupérer rapidement, puisque c'est rentable de le faire.